Bonjour tout le monde et bienvenue pour le deuxième épisode de Momovakin le légendaire. Alors me voilà pour partir vers la quête vers la griffe d'or. Alors vous remarquerez peut-être que le son de ma voix a légèrement changé. En effet, j'ai un nouveau micro qui est bien supérieur au micro casque que j'avais avant, puisque c'est carrément un micro statique super luxe branché sur ma Xbox Mini. Donc là c'est carrément du... la qualité studio, c'est un truc de fou. Voilà, comme ça vous pouvez profiter de ma superbe voix profonde et infinie, qui au passage est ma véritable voix. Hein, non, je ne parle pas spécialement super grave pour vous. Alors, il faut que j'aille faire ma quête. Non mais, j'ai pas l'habitude de ces trucs à faire. Tout là-bas. Alors, on va y aller. Pourquoi elle avait dit que c'était par là qu'il fallait aller? Ça se trouve qu'on fasse le tout. Je me souviens même plus. Il y a le pont là, voilà, il y a le village. Normalement, elle dit c'est le pont et après c'est par là, elle a dit. Non? Attendez. Oh my god, en plus cette quête je l'ai faite 36 fois. Ah voilà, c'est ce côté là. C'est pour toi. Alors vous remarquerez aussi que les graphismes ont légèrement changé. J'ai mis un autre NB, Sharp Cooper, qui est, je l'avoue, vachement plus, comme son nom l'indique, précis que celui que j'avais moi. C'est vrai qu'il est assez sympa. Par contre, vous le verrez vous-même, en plein jour, c'est une autre histoire, il est dégueulasse. Il y a des loups. Alors, je tente de tester ma nouvelle technique de renforcement de la peau. Oh mince. Putain, comment je fais? Oh mince, mauvais bouton. Ah voilà, c'est ça. Vas-y. Bim, bim. Oh. Alors je tourne à 37 fps, j'ai tenté d'enregistrer en 720p, ça marchait plutôt bien, mais bon, ça fait quand même une sacrée chute de graphisme, et là ça tourne à 37-38 fps. Il y a quelques légères chutes de framerate à certains endroits, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais bon. En tout cas, pour l'instant c'est fluide. Plutôt. Et on continue de monter. Avec... Oh purée, est-ce que je suis moche, quoi. Regardez-moi ça. Je brille en bleu. Alors pour ceux qui viendraient d'arriver, je vous rappelle que cette série d'épisodes... c'est une série d'épisodes de Skyrim avec la toute nouvelle difficulté légendaire qui arrive. Alors le but, c'est pas de vous montrer que c'est injouable, parce que la preuve, c'est que j'y joue. C'est juste de vous montrer que c'est bien dur, et aussi que... Parce que moi, j'aime les défis. Et que j'aime quand c'est... Il y a du challenge. Alors normalement on devrait arriver vers la tour. Oula, le ciel est devenu noir d'un coup là, c'est... Voilà. Et là normalement il y a des gens qui nous font chier, je crois. Non? On va essayer de passer en mode caché. Non. Détecté par qui? Par moi-même? Ah mince. Ouais bah écoute, moi je m'en fous, je vais te péter la gueule. C'est normal que ma hache soit transparente et fasse passer la pierre à travers. C'est très bizarre. Oh fuck. On va essayer de passer par derrière. Oh putain, quand même me détecte en 2 secondes la nana. C'est complètement dingue. Ah putain, il y en a une autre. Ouais bah on va la tenter en mode Geronimo. Allez, sauvegarder, nouvelle sauvegarde. Oh, ces effets de lumière, que c'est beau. Hop là. Et là, c'est parti. Vous avez mal choisi votre moment pour vous faire. Allez. Vas-y, bats-toi. Oh putain, la flèche. Oh, elle m'a réussi à m'avoir. Vas-y. Vas-y, lâche. Hop, hop, hop. Oh là 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 là. Objet, potion. Ça fera l'affaire, ça. On va empoisonner le truc. Allez, vas-y. Prends ça. Ah, une de moins.
Ah, que je puisse attaquer de l'autre côté gauche là, ça marche pas ça? Comment je fais pour attaquer de l'autre côté là? J'ai pas envie de taper sur le bouclier. Ah, parfait, faut taper en bas. Allez, derrière toi, putain! Faut viser la tête! Ah, il se bat bien lui, hein! Ah putain, quand même un one shot! Oh le porc! Oh le cochon! Ah, c'est dégueulasse! J'étais sur le point de le buter! Oh, c'est moche! C'est très moche! Pour la peine, on se la refait! C'est parti! Ah mince, oh putain! Ouais, normalement, ça devrait pouvoir s'esquiver les coups de marteau parce que c'est l'arme la plus lente. Putain, ils se battent bien, hein! Oh! Joli! On va tenter le coup du poison dans ta gueule. Poison. Ouais, bah, penche-toi du poison pendant que je m'occupe de ton pote. Oh putain, comme il m'a eu! Vas-y! Ah! J'aime ça du combat stratégique! Laisse-moi récupérer mon énergie, petit. Ça fait, on dirait des vrais duels, quoi. C'est vachement mieux. Oh putain, il y a l'autre qui me tire dessus, là. Oh putain, l'escalade. Quoi? Comment ça? Oh putain, l'autre connasse à la flèche là. Oh là là. Oh putain, c'est dur. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est bon. Allez, je devrais y arriver cette fois. On va essayer de le choper. Ok, non, j'ai rien dit. Putain, je voulais pas. On va s'occuper de l'archer direct. Ah bah mince. Bon bah ça marche pas comme ça. Ça marche pas très bien. Faut que je fasse une stratégie pour essayer à la choper. Oh putain, elle s'est excitée l'autre. Vas-y, faut que je me cache derrière ce caillou là, parce qu'il y a l'autre qui me tire dessus, là faut pas qu'elle me tire dessus. Allô. Putain, vas-y, là. Allez. Oh mince, il y a l'autre derrière. Vas-y. Ok, c'est bon, il y en a une de moins. Maintenant, le deuxième. Ou l'archer, peut-être, d'abord. On va choper l'archer. Allez, je joue comme un pleutre. On s'en fout, tu vas crever, oui. Ok, c'est bon, on s'occupe du dernier, c'est le plus dur. Ah là là, le Gucus en armure lourde. En plus, je la veux, son armure. Allez, vas-y, crève. On récupère mon énergie. Oh oui, la contre-attaque. Ah putain, c'est chaud. Ah, je sais ce qu'il me faut. Ok. Potion. Niveau. Tout de suite. Plus de vigueur, s'il vous plaît. Parade, la parade plus efficace de 20%. Allez. Ah putain, oui, on peut faire des attaques sur le côté. Putain, il faut vraiment un paquet de stamina là, comment ça s'appelle? Vigueur, c'est ça. On peut lancer des attaques lourdes là. Oh! Bim!
j'ai besoin de ton corps là, vas-y là. Je prends tout ce que t'as. Oh ce que c'est bon. Sérieusement les gens, c'est juste génial. Je vous conseille juste peut-être de tenter de jouer comme ça. Bon, peut-être si vous n'êtes pas un bon joueur, je suis pas un joueur excellent non plus, mais ça change toute la manière de jouer quoi, franchement. Et épée bouclier, c'est génial. Franchement, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Tout ce qui est parade, attaque, tout ça. Oh, c'est trop bon. Bon, allez, toi, ton corps. Les flèches. Oh, bon. Je vendrai ton corps au nécrophile. j'ai même pas compté combien de temps on en est. Hop là. Où est le corps de l'autre gonzesse? La super chieuse, là. On va prendre son marteau. Bon, ça, c'est le corps de l'autre type, là. Je crois qu'il a dû tomber son corps. Je vais pas me casser la tête à aller le rechercher. J'ai pas que ça à faire. D'abord, on va visiter la grosse tour. Putain, il neige dans la tour. Vous êtes sérieux, là? C'est pas un peu bizarre comme concept? Alors, non. On va monter. J'espère qu'il y a personne en haut. Ok, c'est bon. Des tomates. Ouais, c'est bon. Normalement, il y a un coffre tout en haut, si je me souviens bien. Effectivement. Des crochets, un grenade, de la thune et une potion de vigueur. C'est parfait, tout ce qu'il me fallait. Eh ben, écoutez, moi, je vais profiter de cet endroit pour me poser un peu. Je sais pas si ça fait un peu roleplay quand même, parce qu'il neige comme c'est pas permis et que j'ai pas que ça à faire. Et je veux aussi vous montrer comment c'est le jour et les 10h du soir. On va dormir jusqu'à 8h du matin. Comme ça, vous pourrez voir comment c'est le jour. Nous sommes lundi donc, 18 vif azur. Le jour se lève à 7h du mat. C'est encore un peu sombre, parce qu'on doit être en haut de la montagne. Mais vous aurez l'occasion de voir le jour se lever, ce qui est plutôt cool, avouez-le. Pendant que je continue à l'aventure de Momowaki le légendaire. Oh putain, je croyais que c'était un monstre ce drapeau là. Alors. Ouais, ah, ça va être ce gros machin là-bas. Effectivement, Tertre des Chutes Tourmentées. Le nom est un peu bizarre en français, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Si je me souviens bien, il y a des gens là-bas. Alors, ça serait mieux de pas me faire buter dès que j'arrive. Je te reviens rapide. Hop là. Hop. Je me suis fait rôder. Je crois que la discrétion en armure lourde ça va pas trop marcher. Ah si. Ah putain, il y a quelqu'un là-bas. Mince. Armure lourde. J'étais en armure légère. C'est vrai que ça va faire du changement ça. En plus j'ai le casque du Dovahkiin. Enfin de Momowaki. Oh oui, c'est bon ça. En arme, et je vais essayer la masse. Je sais pas ce que ça va donner. La hache est pas mal, mais la masse fait quand même. Ah, mais non, en acier, la masse. Ah, bah, tu peux pas tester là. Masse en acier. Ok. Putain, vous êtes deux. Ça va pas. Allez, crève. Allez. Oh putain comme ils m'ont eu. Eh merde. Ah. C'est pas facile du 2 contre 1. C'est fourbe. Allez hop, on charge. Et cette fois je mets l'armure dès le début. Histoire de... tenue, armure de fer, bottes de fer, gantelet de fer, casse de fer, masse d'acier. Que je vais mettre en favori, je vais virer celle-là. D'ailleurs en parlant de ça, masse d'acier, 2, voilà. D'ailleurs, je ressemble à Dovahkiin. Avec... Oh, regardez ça, Dovahkiin avec des grosses lèvres. D'ailleurs, un poisson. Je suis un poisson. Gloup, 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 le poisson. Ok, il n'y a personne pour l'instant. Quoi, c'était quoi ce bruit? Ok. Ah, oh, oh, ça commence. Oh shit! Ah mince! Quoi? Comment il a réussi à m'avoir à cette distance là?
Tiens, cours! Pourquoi il veut pas courir, mon truc? Pourquoi il court pas? Bah c'est quoi ce délire? Pourquoi je pouvais pas courir? Y'a un truc qui va pas là! Ah putain, j'avais Vermage d'activé! Oh, fait chier! Ah mais on peut... Putain! Sérieux, on peut pas courir en armure lourde? Attendez, y'a un truc qui va pas là! Mais non mais j'ai compris, y'a un mammouth. Comment est-ce qu'on court en fucking armure lourde? Oh putain, j'ai oublié que j'étais en mode furtif. Ça je m'en fous de me mesurer à toi. Ah, oh, y'a un putain d'archer en plus. Hop hop hop, potion. Du venin. Putain. Putain, mais ils ont complètement changé d'IA là. Oh là là. Complètement cheaté. Putain, je vais t'avoir, bouffon. Je t'aurai. Petite merde. Allez, je t'attends. Potion. Oh mince. Ah, j'ai plus de potion de soin. Fuck it. Bouffe. Mange. Mange. Vas-y, tu vas crever, oui! Non, mais non! Mais non! Putain, mais c'est pas possible, j'avais quasiment toute ma vie! Oh putain, mais t'es sérieux là? Il est complètement pété, c'est une sorte de one-shot dégueulasse là. Oh putain, petit moment de lag. Hop hop hop, putain, dégage toi. Oh là 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 là, oh là là là. Après, il va falloir que je fasse vachement dans les potions aussi, hein, si je veux survivre. Je crois que la chimie, ça va bientôt devenir mon dada. Ouais, effectivement, ouais. Ah, comment je peux faire pour réussir à buter ces types? Ok, alors déjà ça. Ah, il y a l'autre qui me tire avec des flèches là, vas-y, on se casse. Allez. Ok, je crois que je vais essayer peut-être temps d'utiliser mon pouvoir de jour. Récupérer mon stamina, peut-être, je sais pas. Attends, on va préparer le venin. On va essayer de lui foutre dans la gueule. Voilà. Ok, il s'est raté. Oh putain, il a failli m'avoir. Mais regarde ça là. Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, je l'ai. Et il fait même pas une attaque, il me one shot direct. C'est débile. C'est pas logique. Ok. Oh, j'ai entendu le bruit d'une flèche. Oh putain. Vas-y là. Putain, y'a l'autre qui me tire dessus là, c'est relou. Attention.
Toi, tu vas bientôt crever, vas-y. Je le sens, je le sais, je le vois. Putain. Rien de moi. Bim. Ça, c'est fait. Sauvegarde automatique. Putain. Eh ben... je crois que le marteau se fasse un peu lourd. On va prendre tout ce qu'on peut, tant qu'on peut. En attendant, faut que je vois. Normalement, je devrais réussir à l'avoir, lui. Putain, mais il tape fort! Et j'ai pas de... Toi, si j'ai de la bouffe. Oui! Oui, ça c'est puissant, ça c'est bon ça. Oh oui, bouffe ça, bouffe. Oh là là. Tu dirais que ça fait du bien. Allez, on attend une heure. Voilà, parfait. Sauvegarde rapide. Eh ben. Ça c'est du coup, il y a ma masse, elle est plein de sang. Et dire que c'est que le début. Allez. Ah là, je suis quand même, j'ai quand même une tête de bois. Ah, ça fait pitié. Oh, de dos, voilà, de dos, j'ai la classe de dos. Allez, hop, on va ouvrir ça. Oh, c'est beau. Effectivement. Une chose est sûre, les intérieurs avec le sharpening, c'est quand même putain de beau. Oh là là, waouh. Ah ouais, effectivement. Rien à redire. Bon, je vois les gens là-bas. Alors normalement, avant, quand je jouais à Skyrim, je les chopais toujours avec l'arc. Mais bon, bon, j'ai pas assez... Oh, une épée en acier. Vas-y, je vais passer à l'épée, tiens. On va voir si ça change quelque chose. Est-ce que ça permet de taper plus vite? Ça fait moins de dégâts, c'est sûr. En même temps, des trois armes, c'est celle qui fait le moins de dégâts. Mais, ça tape beaucoup plus vite. Ouais, des ingrédients, faudra que je me mette à l'alchimie aussi. Là, j'ai pas trop le choix. Hein, faire des potions. Acheter des potions. Ok, alors. Comment passer inaperçu? Peut-être qu'en passant à droite. Oh, il y a un corps mort là, il y a des trucs dedans. Ok, le reste pas très intéressant. Qui est là? Oh fuck. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'arrive ou elle a dit achetez-vous des couilles? C'est dégueulasse. Oh, t'es où toi? Vas-y! Ah, parfait, les attaques lourdes. Ah, ça tape quand même sacrément plus vite, même si je crois que je préfère la masse quand même. On va faire différence tout de suite. Ah, ça tape plus fort, mais c'est plus lent. Peut-être que la hache, ça reste un bon lâche, c'est entre deux, et puis la hache, c'est stylé, ça fait barbare, quoi. Hop. Bim. Oh oui, prends ça. Oh, c'était... Oh, ce coup final. Magnifique. Flèche de fer, machin. On va voir ce qu'il y a sur l'autre, là. Oh là là, ce que c'est bon. Franchement, les gars, je vous le dis, essayez de jouer comme ça. Et les filles aussi, en fait, c'est des filles. Enfin, lui, t'es au mec. Oh là là, oh, cette masse ensanglantée. Oh là là, ce que c'est bon. Allez. Un peu d'ouverture de coffre, quoi. Ah bah du premier coup. Oh purée, tout ce qu'elle a dedans. Oh là là. Oh, c'est bon. C'est trop bien. Franchement, ouais, la différence c'est que... Non, quand vous jouez, vous avez vraiment l'impression de...
du jeu, et pour le vrai, vous êtes fier quand vous tombez sur un coffre. C'est, vous n'avez pas l'impression de subir le jeu, vous avez vraiment l'impression de le vivre. C'est trop bon. Bon, niveau supplémentaire. Santé, vigueur, santé, vigueur. Le plus important, ça restera la vigueur. Je montrerai les deux. La magie, je la montrerai pas tant que ça. Faudra que je la monte quand même. On a pas trop le choix, vu que je vois, faudra que je fasse l'altération. Ça fait quoi, 10 par 2 coups de poing, mais ça je m'en fous pour l'instant. Forgeage, faudra que j'en fasse, pas tout de suite. Parade. Ouais. Flèche déviée, t'es sérieux? Oh putain, trop bon. Une main. Une main, ça peut être bonne idée. Armure lourde aussi, peut-être. Armure lourde. 20% en plus, c'est bien. Altération, ça ne sert à rien pour l'instant. Conjuration, j'adore ça, mais j'en ferai pas dans cette, non, dans cette aspect. Alchimie. Confectionner, j'ai pas encore de quoi confectionner des potions, c'est pas pour tout de suite. Alors, armure lourde ou une main. Je fais plus mal ou je me prends pas. Ah bah, armure lourde, parce que je me prends tellement dans la gueule là. Allez. Ah, ça, c'est vachement plus stratégique quand même. Ah, en plus, c'est. J'ai jamais fait de perso comme ça. Un truc que je veux voir, c'est quoi l'avantage de une main. Après, on a le choix normalement entre voilà. Hache, saignement supplémentaire, 25% de l'armure ignorée, 10% d'affligés d'éclats critiques. J'aime pas les critiques parce que c'est aléatoire. Les dégâts de saignement supplémentaire, c'est. Bon c'est de la chance, mais Ah non, affiche de toute façon. C'est pas mal, ça donne envie, j'essaierai ça. Je pense que je vais me mettre à la hache, ouais. Je crois que je vois aussi s'il n'y a pas des artefacts H. Mais bon, ça pourrait valoir le coup. Allez, on prend ça et on fait une erreur. Allez, putain, ça lag pas, c'est bien. C'est vrai qu'il est quand même vachement beau et vachement précis ce MB. Il reste plus qu'à voir parce qu'en plein jour il est dégueu. Hein. C'est le seul truc que j'aime pas. En plein jour il est sacrément moche. Chose ici. Alors en plus j'ai rajouté des sons, alors je sais pas vous entendez, il y a les sons d'armure lourde, les cliquetis. Vachement réaliste, je sais pas qui les a fait mais c'était vachement bien, c'est un mode Sans Overhaul je crois que ça s'appelle. Vraiment cool. La main speed. Ok, il y a rien. Allez, on avance. J'entends du bruit. C'est peut-être le feu. Peut-être les cailloux qui tombent. Il y a quelqu'un là-bas. J'espère qu'il va pas se retourner. J'espère. Non, ne te retourne pas. C'est parfait. Peut-être c'est pour choper par furtivité. Je suis un peu une merde, hein. Vous voyez que je suis vraiment une merde en furtivité. Ah mais j'avais oublié ce détail. Non. Ah si. je sais pas si vous avez déjà joué à Skyrim, sûrement. Et vous avez sûrement, comme tout le monde, fait cette première quête en premier. Et normalement, ce type arrive, bouge la manivelle et se fait tuer par les pièges. Sauf que là, en fait, comme on joue en légendaire, il se fait pas tuer. Et il y a un script qui le tue automatiquement après. Plutôt cool. Hein. Une torche, j'en aurais sûrement besoin. Pour l'instant, je vois bien. Mais après, ça risque de pas être la même. D'ailleurs, je vais mettre mon écran avec moins de luminosité pour vous. Parce que... Ah oui, ça... Oh putain, ça rend mieux comme ça. Oh là là. Parce que c'est vrai que j'ai une luminosité absolument monstrueuse sur mon écran, ce que vous n'avez pas forcément. Donc, bon, là, j'ai réglé en mode film. Ça fait des contrastes de malade. Alors, là, on va faire assez simple. C'est quoi? C'est serpent, serpent, baleine. Allez, hop. Serpent, serpent, baleine. Parfait. C'est bien ça. Voilà. Et donc si vous avez compris, hein, c'est faut juste faire le même truc là que là. Hein. Allez. Parfait. On avance. Une petite sauvegarde. Oh, une petite gemme spirituelle. Lire voleur. Ah, vol à la tire augmentation. Je vais pas faire du vol à la tire. Hein. Et je ne rejoindrai pas la guilde des voleurs. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près sûr. Oh, par contre, peut-être que j'arriverai le truc des assassins. Ça, qu'est-ce que tu fais là, toi? Regardez ça, même les Ragnar. Regardez ce qu'il faut pour tuer rien qu'un putain de rat géant, quoi. Il est passé où?
Ah, en plus, je bousille ma stamina pour rien. Voilà, c'est bon. Je prends ça pour l'alchimie et on descend. Ok, j'ai rien dit. Oh putain! Vas-y, là, descends. Vas-y, là, ramène-toi, espèce de gros rat, là. Oh! Non, mais oh. Parchemin de boule de feu, ça pourra toujours me servir. Poison paralysant. Oh, c'est bon, ça. Je sais pas sur qui je vais l'utiliser. Mais je vais l'utiliser, c'est sûr. Oh mince. Il y a quelqu'un dans le coin, il y a quelqu'un dans le coin. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un type con. What the fuck, il y a une putain d'araignée géante. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, c'est écrit qu'elle est blessée. Putain, ma gueule, comme c'est... C'est complètement barge. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est complètement barge. Je vais me faire tuer en deux secondes, là. Purée. Putain. Va falloir faire de la ruse. Hop hop hop, allez allez allez, viens ici. Et bien sûr je vais te tuer là, mais j'ai pas que ça. Oh putain. Oh purée, vas-y je dégage. J'ai pas un truc pour me soigner là. Potion de soin léger. C'est pas ça qui va me... est-ce que ça marche sur l'araignée? En 3 secondes sur la grosse araignée. Alors regardez la vie qu'elle a quoi. C'est complètement barbe. Je crois que c'est sur elle que je vais utiliser mon pouvoir spécial. Hein. Ah, en plus j'ai oublié d'utiliser mon truc. On met déjà ça. Ensuite. Mon pouvoir spécial. Il y a une résistance au poison, un mur. J'ai une résistance au poison, je savais pas. Guérison, destruction, altération, tous. Hey, il est où? Ah, poussée d'arérine. Ok, c'est réglé. Ok. Geronimo! Ah oh, putain, j'en étais sûr. Eh ben, ça va être bon, là. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Comment faire pour tuer cette araignée? Bon, déjà, la masse d'acier me semble le truc le plus logique. Parchemin de boule de feu, on va commencer par ça déjà. 50 points de dégâts dans un rayon de 5 mètres, les cibles qui s'enflamment, speed. Ok. C'est un bon plan, ça. C'est un bon plan. Ça. Il y a l'araignée qui tombe. Putain, ça fait que dalle! Ça sert à rien! Oh là là, c'est complètement barge. Poison. Oh parfait les. Ah bah elles étaient courtes tes 3 secondes purée. Mais comment tu veux la tuer putain? C'est complètement dingue. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors là, par contre, purée, purée, purée. Comment je vais faire? Je trouve une technique pour pouvoir la tuer sans me faire buter. Ah, ok, elle est là-haut. J'ai capté. Est-ce que là, elle peut m'attaquer? Est-ce que là, si je tire avec mon arc, ça marche? Arc, on a des flèches. Ok.
Ah, ça devrait pouvoir peut-être marcher. Ah, ça va être très lent, hein, les gars. Et je pense pas avoir assez de flèches. Allez, là, ramène-toi. Allez. Allez, allez, allez. Allez, bouge-toi, là. Allez, je t'attends. Allez. Bah d'ailleurs, on va aussi en profiter pour se faire un peu. On va utiliser la magie, quoi. Allez, on va la faire cramer. Allez, viens. Hop, ça c'est pas. Ok, c'est bon, j'ai compris. Putain. Oh là là. Non, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous avez vu la vitesse à laquelle ma vie a descendu? C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Heureusement qu'elle peut pas sortir de sa cave là. Allez, sors de ta grotte. Mais c'est pas un piège ce qui est en bas là? On va pas la faire tomber dedans. Putain, vas-y là. Oh. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Allez, allez. Allez, bouge, bouge, bouge. Allez. Va falloir que je mette aussi à l'arc, je pense. Oh, purée. Putain de poison. Putain, heureusement que j'ai de la résistance au poison, là. Pouh. Allez, là. Je t'attends, là. Ramène tes fesses, araignée. Elle est en train de le tuer? Non, je pense pas. Allez, j'ai déjà enlevé un peu de vie là, un quart je dirais. Ou un tiers. Coco, je suis là. Dans ta jambe. Oh masse, non, 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 hop, 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 hop. Oh non. Oh non. Oh shit. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Putain. Ok, est-ce que je peux courir loin pour essayer de me reposer? Ah non, 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 mauvais sens. Voilà, par là. Ok. Ah, parfait. Allez. C'est complètement une technique de gros fourbe, mais franchement, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas trop d'autres choix. Et au moins, je suis content que ce soit aussi dur que ça le dise. Hein. Parce que purée, pour être les gens... Oh non. Fuck shit. Bah, elle est où? What? J'ai fait un bug. Et la musique de la bataille. Allez, là-bas! Vas-y! Ah, je laisse se débrouiller avec. Apparemment, il ne devrait pas pouvoir fuir. Non mince, désolé, je voulais pas te taper toi. Vas-y, tape l'araignée, voilà, voilà. C'est bon, tapez-vous dessus tous les deux. Allez, allez. Putain, elle va le tuer là. Allez, fais ton boulot. Oh, ça me rappelle Oblivion avec mes larbins. Allez. Bon bah, on va profiter de ce bug, hein. C'est franchement pas très fair-play, mais... Si vous voyez une autre solution, dites-le moi. Surtout qu'elle va bientôt tuer le type là et ça va mal finir pour moi. Petite sauvegarde rapide. Allez, plus de 30 flèches. Ça devrait être assez pour la tuer.
Voilà, c'est bon, il est mort. Maintenant, c'est entre moi et la grosse bébête. Et bon, elle a pas envie de me tirer dessus. Allez. Ouh là là, c'est long. Eh ben c'est pas... Hop ! Non, 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 tu me tueras pas comme ça, toi. Oh là, non, 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 tu m'auras pas comme ça. Oh ! Oh, c'était beau, ça ! Sauvegarde, 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 sauvegarde ! Ouh. Oh là là. Pouh, c'était super méga dur. Et j'ai dû jouer comme une pute. Hop. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai ça en 1? C'est ça que j'ai en 1. Cadavre desséché, crochet. Ouais, ça peut toujours servir, je prends. C'est surtout le corps de l'autre type qui est mort qui m'attend. Voilà, c'est ça. La griffe d'or, merci. Le journal, merci. Le reste, je m'en tape. Coucou. Puh. Oh mon dieu, je suis en train de réaliser qu'il y a le buzz de la fin après. Oh là là. Bon. Masse d'acier. Ah oui, on va lire le bouquin. Normalement, je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais... Voilà, mes doigts tremblent. Bah, vous pouvez lire si vous voulez en mettant pause. Hein. Mais en gros, il est en train de juste dire qu'il y a un truc avec la solution est dans la main de la clé. Et tout le monde sait à peu près en quoi ça consiste. Donc bon. C'est apparemment du grand spoil, hein. Bon, on va ranger l'arme. C'est vide. C'est rempli. Ok. Bon, on peut continuer à avancer. Attendez. Petite gemme, voilà. Oh, je... Oh, non. Ah, vous croyez que les araignées, c'était ça, le mal? Attendez-vous à bien pire. Oh, fuck. Bon, allez, du combat contre un. Ah, il est beau quand même. Oh, c'était magnifique cette parade. On va prendre le niveau tout de suite, s'il vous plaît. Santé! Ah, ça prend toute ma santé d'un coup. Armure lourde, une main. Les armures infligent 40% de dégâts en plus. Je prends. Position de combat, c'est quoi ça? Les attaques puissantes avec moins 25% de moins de vigueur. Ça, c'est très bon pour enlever les parades. Je prends. Surtout que je devrais avoir pas mal de vigueur avec moi. Hoppa! T'as cru que tu vas m'avoir? Allez! Si vous avez pas remarqué, en fait j'utilise des attaques puissantes pour défaire la parade de l'ennemi. Ensuite j'ai balancé une autre attaque dans la gueule. Le seul problème c'est que ça coûte pas mal en stamina. Donc bon, je vais me débarrasser des trucs complètement inutiles que j'ai sur moi. Pèse lourd. Ah, ça par exemple. Surtout les trucs qui pèsent bien lourd. Voilà ça. 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 Oh, les armes aussi, j'ai pas mal d'armes qui doivent peser bien lourd. Tiens, ça j'en ai deux, j'en ai pas besoin de deux. Ça c'est bon. Marteau d'acier, un en moins. Ça c'est bon. Épée nordique, ça fait combien? Ça fait 11. Ça, ça fait 14. Y a pas besoin de chercher plus loin. Ah, avec le piège là-bas, non? Y'a pas le... Hop! Hop, 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 toi tu vas crever. Ah oui, toi tu vas crever. Effectivement.
Prends-toi le piège. Vas-y, vas-y, viens, viens. Allez, viens, je t'attends. Allez. Allez, hop, hop, allez, viens. Oh putain, quel con. Allez, marche, 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 allez, allez. Oui. Oh putain, tu m'énerves, toi. Allez. Allez. Oh, c'est dégueulasse. Heureusement que j'avais une sauvegarde rapide juste après avoir buté les deux. Enfin, je crois, j'espère. Ouf. Allez, on y va. La technique du fourbe est mienne. Oui. 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 Valeur 35 x 18. Ouais, je prends. Oh, oui, ça fait du bien, ça. Faut pas non plus que je marche dessus. Voilà. Parfait. Allez. On continue d'avancer. Ah, celui-là va se réveiller là-bas, j'en suis sûr. Hop, hop. Oh, oh là là. Oh, purée. Ils sont trois. Allez, j'espère que ça marche. J'ai rien pour me soigner. Non, génial. J'ai qu'à espérer qu'il se mange le piège dans la gueule, oui. Ah bah voilà, fallait bien que je rêve, hein. Oh là là. Ça transforme le jeu en véritable truc stratégique. Coucou, tu vas crever. Allez, un au moins. Allez, hop, je vous attends, les gars. Allez, viens. Ah, il crache en plus, c'est dégueu. Oh, ça devrait réussir à l'avoir. Oui. Dans ta tête. Ah, ça, c'est bon. Oh, ça, ça m'intéresse. Ça fait un dégât en moins, mais au moins, ça tape plus vite. En plus, elle est jolie. Normalement, il reste un dernier. Ah non, je peux attendre. Ok, parfait. Allez, c'est l'heure de choper le dernier type. Alors lui, peut-être que je pourrais lui taper dessus. Allez. Tout doucement. Tout doucement. Ok. Allez, t'as l'air musclé, mais en fait t'es qu'une tapette. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit du tout. Je sens que mon armure lourde va monter très très vite. Quoi, il me suit pas? Oh non. T'es sérieux là? Oh non. Si, il me suit. Non. Putain, mais tu vas me suivre là? Ah ouais, ok, c'est un archer. Génial. Moi je fais comment avec ça? Qui va se ramener? Oh, normalement il va pas me voir. Allez, marche sur le piège.
Marche sur le piège. Allez, avance, avance un peu plus. Oh putain. Oh, il m'énerve. Allez, prends ça dans ta tête. Bim. Oh oui, avec le craquement des zooms, oui. Oh, un arc nordique. Je veux bien. Boum. Ça, c'est du Momovakin. Le seul vrai. Bon, ils sont tous morts, les drogues. Tant mieux. On va un peu fouiller des corps, c'est un peu dégueu, mais... faut bien ça pour vivre. Oh putain. Ça a marché, génial. Allez. Oh, c'est un bon plan, ça. J'active la chaîne, je cours vite, et ils se font découper. Oh, c'est pas mal. Je vais voir. Je sais pas s'il y a des drogues encore ici. Oh là là. Oh bah si. Oh bah ok. Allez viens. Je t'attends. Allez. Tu me vois ? Je te vois bien. Ok, j'ai rien dit. C'était une idée débile. N'empêche, devrait y avoir moyen de faire quelque chose avec ça. Même faudrait le cri pour foncer en avant d'un coup en fait. Ouais, pourquoi il sort d'où là? J'entends des bruits de pas. C'est lui, là, c'est lui. Bim! Mange ça! Oh, mais pour... regarde-moi ça! Là, le type, il me fait du one-shot en deux... en un... C'est n'importe quoi! Tout doucement... Ok, bon, super, ça a pas marché. Allez, viens! Oh, purée, c'est bon. Ouh. Non, c'est plus qu'une question de passer. Ok, parfait. Allez. Je fais énormément de sauvegarde rapide, hein, vous aurez remarqué. C'est normal. Oh, oh putain, il y en a encore un. Ah, celui-là, je sais comment je vais l'avoir. Parfait. Vas-y. Allez, je t'entends. Oh mince, putain, vas-y là. Putain! Voilà! Quoi? Ah ouais, ouais. Ah bah merde! Ah mais il y a eu... Oh, c'est quoi ça? Il y en a toute une armée! Il y en a plein de ces types comme ça là! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Oh, je vais mettre l'arc en favori parce que ça va être plutôt utile. Favori. Voilà, l'arc. Voilà. Attaque furtive. Oh putain, je suis foiré comme j'ai une bouille. Oh mais non. Je sais même pas combien de temps ça fait que je tourne là, c'est pas possible là. Ça se trouve je vais devoir séparer l'épisode en deux. Peut-être que je vais m'arrêter ici et recommencer juste après. Je sais pas du tout à combien j'en suis. Je préfère pas voir, vérifier. Ouais, jusqu'à la fin du let's play.
Allez, brûle! Putain, mais c'est pas possible, regardez ça! Hop, hop, mauvais bouton. Ah, voilà. Hop, file-moi la hache nordique antique. Allez! Ça, c'est bon. Oh mince, il y en a... Quoi, il y en a encore? Oh là là. Ok, c'est bon, je peux attendre. Allez, bon, ça se trouve, je vais faire des épisodes d'une heure sans le savoir, parce que... Dans est-ce quelle heure? Ah oui, effectivement. Il y a des chances. Alors, normalement, il y a encore des gugus là-bas. J'en avais vu deux quand je suis mort la dernière fois. Effectivement, il y en a un là. Viens de me repérer. Oh putain, il m'a coincé. Putain, vas-y là. Vas-y. Ok, c'est bon. Oh mince. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, Malakat. Malakaf. Ok, alors. Ouais, c'est la bonne. L'arc. Putain, elle est où l'arc? Oui, en favori ça. Ok, ça peut marcher. Ah mince, ça, ça. C'est un mauvais endroit, mauvais... Oh putain, c'est bon, je suis foutu. Oh, peut-être pas. Potion de vitalité, allez. Pour courir. Oh mince. Putain, vite. Encore une. Masse. Ouh là là. Eh ben, c'est dur. Alors j'ai cru voir qu'il y avait encore un truc attaché en haut, que je pourrais peut-être lui lancer dans la gueule. On va lui faire un peu de dégâts. Peut-être pas. Allez, je t'attends. Bien que ton pote vienne avec, si possible. Hein? Allez, je t'attends. Allez, viens! Allez, pas peur! Oups, désolé! C'était pas fait exprès!